Au nom du Père, qui papa, qui sous le kelo kelo, du Fils, dit papa, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Simon, Kimbangu. Vous savez que ce dernier, il a pris trois formes physiques. Le Saint-Esprit. Sa première forme, c'est Tata Kimbangu premier. Sa deuxième forme, c'est Tata Kuntima Diengienda. Ça m'est allé droit au cœur. Et dans sa forme actuelle, tel qu'il est revenu, le grand-père, Nkaka. Yandi Nkaka. Eh bien, c'est sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani, le patron de la quatrième et dernière génération. Nous sommes aujourd'hui, mes amis, un kenge. Le jour d'un kenge, c'est le jeudi. Dans le mode calendaire du premier quart, du un quart du bien-être de l'humanité, nous disons c'est le jeudi. Et le jeudi, vous savez que jeudi vient de Jovius Dei, Jupiter. Le jour de Jupiter. Vous savez qui c'est Jupiter dans le savoir du un quart. Alors, le Nkenge, nous on m'a nommé dans le sens du trois quarts, dans le Pakundungu Pelekete. Ce jour, nous l'appelons le jour de Nkenge. Et bien c'est le jour que nous aussi, on avait décidé de venir sur Terre un certain 9 mars. Un Nkenge, c'était un jour de Nkenge. Quand nous sommes revenus sur Terre à Kinkala. Je suis dans la joie parce que je suis à jour J. De la victoire de Ngudian Longo dans sa première forme physique, Nkaka Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Je suis dans la joie parce que nous, grâce à nos mamans, parce que j'ai toujours dit, sans les mamans, on n'est rien. C'est elles qui ont trouvé grâce de garder le corps humain dans leur ventre pendant 9 mois. Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Et oui, même le Christ Jésus, quand Dieu a voulu prendre forme dans une vision humaine, dans une approche humaine, c'est-à-dire qu'on le voit physiquement, il a fallu qu'il passe par là. Le Nazaréen. Donc Papa Dialunga dans sa première forme. 9 mois dans le ventre de Marie. La gracieuse Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est aussi béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, sois notre intercesseuse. Ngudia Longo Mwiluka Wanga Lufinama. Vous voyez, ça, c'est mes, ça me remémore les 30 ans que j'ai passé au Vatican parce que avant que je rentre à Nkamba, j'ai passé 30 ans au Vatican à l'époque comme MGR de Gozi. 30 ans du Vaticanisme. Et Tata Kimbangu, au Tata en 99, dans le 91, dans le 91, dans le département de l'Essonne, au 29 avec l'emblème, Tata Kimbangu, premier, me visita. Et c'est là qu'il me rappela ce que je suis. C'est là, ce jour-là, où j'ai commencé ma transformation, mon être à moi naturel. Donc je disais, un jour de Nkenge, un Nkenge spécial. Jour J, moins 2. Parce que samedi, Nkamba Oye! Nkamba Oye! Nkamba Oye! 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 Yelouselemi Diampa! Donc, la nouvelle Jérusalem. Dikundanga, là où siège. Tata Nzambi, donc Dieu le Père, Tata Kisolo Kelelo Kelo.
Pour moi, tu es sous Christ, donc notre Seigneur Jésus-Christ, tu as été longue dans la Tengani. Et tu as moins d'avélé là. Ben, tu as moins d'avélé là, vous savez, il est trois fois disposé sous le soleil. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Voilà! C'est là où il siège. Et ben, dans deux jours, la moto, là, la route de Nkamba est pleine de véhicules qui tracent. Et là, je voulais remercier notre territoire, le Congo. On vient de mettre, on vient d'élire une femme à l'honneur de Ngoudialong comme étant présidente de l'Assemblée nationale de la RDC Congo. C'est une femme, chère maman. Ba maman et Sika Bozali, Tala Lolenge Ngoudialong à Pessibino Lokumu. Maman, je vais retrouver son nom, je crois que c'est Maman Moulenga, hein, celle qui a été élue députée la première. Parlementaire, c'est-à-dire la numéro une de pour ce qui est la légifération. Donc, l'Assemblée nationale de la RDC vient d'élire une maman à la tête de cette chambre en la personne donc de maman, la femme élue. Donc, je trouve le fichier, je vais vous le montrer parce que c'est un honneur. Là, je vois maman, donc Janine Mabunda. Maman Janine Mabunda devient la présidente de l'Assemblée nationale du Congo. Oh là là, quelle gloire! Ngoudialong, oh yeah! Maman Mwilu, oh yeah! Ba maman Mukondi, Yabiso Oetali, ba député. Azali, maman Mwasi. Azali, comment on a eu maman Janine, donc Jean. Janine donc et outina Jean na moi na mon devoir le bran bali meyé ce que maman moi si a comme mokondi ya ba député nyon se mokili. Donc le député du parti de l'ancien président donc Joseph Kabila Kabenge, le président l'ancien président donc a été élu donc à l'Assemblée nationale comme étant le présentateur de l'Assemblée nationale. Voilà quelle gloire. Deuxième banque, femme présidente de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Je vais vous montrer votre seule image, hein, si vous le voulez bien, parce que c'est à l'honneur de notre maman, parce que comme par hasard, ça tombe à quelques jours des festivités de Ngoudialong. Je dis que moi, je pars. Et l'obéli, et pas Yatata. Vous savez, en 1959, quand elle est partie, parce que là, nous allons célébrer 60 ans. En 59, quand il est parti, deux ans, une année, quelques mois après, c'est la concrétisation de l'accord que Papa Simon Kimbangu avait eu avec le roi des Belges que l'indépendance du Congo le jeudi 30 juin 1960. L'indépendance politique, et oui mes amis, parce que jusqu'alors, spirituellement, les gens n'ont pas encore mis l'institution Tata Kimbangu comme étant le leadership spirituel. Le jour qu'on mettra l'église de Jésus-Christ sur la terre, comme ce mot spécial, c'est moi qui manque comme étant le leadership spirituel de l'institution de nos trois pays, eh ben, les choses iront autrement. Mais en tout cas, pour l'instant, nous nous contentons de ce que nous avons eu. Maman Mwilu, elle est là, c'est ses festivités. Ce jour, Nkenge, je disais, dans le Kimbangumuna, dans le mois de Kintombo où nous sommes, ce jour, Nkenge, 20 Nkenge, donc Jupiter Day, Genus Day, vendredi 25, jeudi 25 plutôt 2019, mais nous disons le 20 de Nkenge en l'an 2000, en l'an 98 plutôt. Voilà. Alors, je voulais faire état de la femme, de nos mamans. Les mamans, à la création, étaient victimes de corruption. Du mauvais dire, d'une séduction inappropriée. Parce que l'ennemi, les créatures de mon père, celui qui s'est fait prévaloir comme étant Lucifer, l'ange de lumière, en fait, c'est un exécutif qui n'a pas voulu suivre l'ordre tel que Papa Simon Kimbangu le voulait au départ. Ah ben, nous, quand Papa Simon Kimbangu vient, nous en l'accompagnant, c'est pouvoir l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire, à travers les trois principes. Bolingo, Nibeko, Misala. Si nous sommes dans ces dispositions-là, eh ben, Satan sera appréhendé et sera mis en train de nuire. Donc, salou, travaillons, œuvrez. Le beau mini,
Et ça, c'est ça les trois fondements spirituels, les trois fondements, les trois soubassements de l'humain sur terre pour mettre Lucifer en état de nuire. Kadian PM. Je dis que ce prétend être avoir la théorie ou la raison, mais il n'a pas raison. Alors, donc, ce dernier avait fait de toute manière pour que faire tomber la maman première. Kakankeng. Waka widingi, wa. Elle a entendu le mal est rentré. D'où d'ailleurs, quand l'étoile céleste de Marie revient sur terre, un certain mois de mai 1885, et ça deux ans avant que Tata Simon Kimbang ou lui-même le Saint-Esprit prenne forme physiquement. Alors, il fait tomber la maman, mais là, la maman qui vient, elle s'appelle Kiawanga Mouilou, donc l'étoile Mouilou, Kiawanga, qui a entendu pour corriger l'erreur de la dame première. La dame première a entendu et elle a accepté, parce que dans les mamans, elle prie, elle a entendu, vous savez, comprenez la lettre W, la lettre W, si vous faites le revers de la lettre W, ça devient le M. En rotation, hein? Je dis bien la rotation du M devient W. Donc le ma devient le wa. Donc elle a entendu et le mal est entré dans l'humain. Mais Ngoudia Longo, la nuit du 5 avril, du 5 avril au 6 avril, elle entend les échanges entre les gens, pas Simon qui manque le Seigneur Jésus-Christ. Elle demande à son mari, Zola, tu discutes avec qui? Qui t'échange? Ah, monsieur le Christ dit, accepte. Moi, je vais pouvoir t'aider. Je serai ton soutien. Et c'est elle le matin. Donc, elle corrige l'erreur de Mama Ève. D'où le Kiawanga et Kenzitani, elle a donné la femme le respect nécessaire, utile pour créer l'harmonie de cette parité. C'est-à-dire, on est à part égale dans l'action ministérielle. Dans le kimbongisme, la femme et les hommes, ils ont à part égale les charges ministérielles. Parce qu'elle, elle fut la deuxième à prendre le relais de son mari. Parce que son mari, Tata Kimbangu, c'est le premier chef spirituel. Le deuxième chef spirituel, c'est lui-même Kaka Mouilou. Parce que c'est elle qui prend le relais. Il cherche les cartes du premier chrétien, elle le donne le 12 avril 1959. C'est elle la gardienne, donc l'âme du kimbongisme. Voyez-vous? Et donc, elle corrige l'erreur de la dame première. Kiawanga, waka widingi, elle a entendu. Si dans l'entendement, le wawa, le mal est rentré, elle a fait le revers de mama, devient wawa, et bien elle a entendu le lundi 5 au 6 avril, et elle corrige l'erreur de la dame première. D'où aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées. Écoutons mes confrères. Ils nous disent un petit mot à ce propos. Et c'est ce thématique-là, ce discours politique, parce que je dis que les cantiques, moi en tant que politique, je suis un politique dans le cas de 3P, 2SP, le pouvoir spirituel, donc qui est Nkamba, notre institution spirituelle, le pouvoir scientifique, qui est donc le Bandombe, le Pakundungu et le Pelekete, et le pouvoir politique, donc Tata Kisolo Kele, mon père, modèle politique. C'est mon modèle politique, pas la politique des francs-maçons. Des rosicréciens, des maïkari, des catholicos, pas la politique telle que c'est indiqué dans Daniel. Que non, la politique, la représentation alimanière, non. La politique, représentation divine, donc humaine, à proprement dite. Alors, je vais voir mes collègues de Jejeki Mbanza Kimbangu qui nous ont retracé ce que dit Nkakamui Lukiawanga à propos de toutes les femmes légendaire, historique, je ne sais pas si c'est une légende, mais historique, depuis la création, comment elle aura pu tenir la force spirituelle afin d'amener l'action jusqu'au bout. Parce que toutes les femmes par le passé, on peut les compter. En prenant l'exemple par exemple du modèle, parce que vous savez, Abraham, c'est le patriarche, celui-là même qui était l'ami de Dieu. Sa femme, Sarah, commit la maladresse par exemple de donner son mari. Parce qu'elle était impatiente de l'accomplissement des propos que Dieu promet, de sa promesse divine de Tata Kisolo Kele. Mais lui, non. Elle dit, elle néglige la promesse. Et finalement, elle demande à son mari de se lier avec sa servante Agar. Vous savez les conséquences de l'islam. L'Ismaël, l'enfant belliqueux, l'enfant né dans des conditions inappropriées. D'où la colère de cette postérité-là. Suivons d'abord sa divinité à travers ce pouvoir, ce discours politique. Parce que moi, je dis que les inspirés qui m'onguissent, c'est mes conseillers politiques. Et oui, mes amis, suivons cette divinité à travers ce cantique. Suivons. Donc,
on nous dit, on nous précise le pourquoi de la victoire de Jésus. Voilà. Par le passé, généralement, c'était les mamans qui étaient victimes de mauvaises pratiques. Mais aujourd'hui, toi, maman Mouilou Kawanga, tu es venu leur mettre à leur place. Nzitani, Nzitani, Nzitoussou. Donc, la drogue de la femme respectueuse. Travailler égal à l'homme. Être dans l'action ministérielle égal à l'homme. À l'époque d'Adam, c'est Ève qui était victime d'une mauvaise théorie compliquée par Satan. Comme à l'époque d'Abraham, maman Sarah, toujours elle, les mamans, c'est elle qui était victime de la mauvaise pratique dans leur disposition spirituelle. Voyez-vous, hein? Et ça a perduré. On a vu Adam, à l'époque d'Isaac, maman Rebecca, elle qui complota contre l'action de l'héritage destiné à Esaü. Et finalement, maman usa de corruption pour pouvoir corrompre et transformer l'héritage d'Esaü à Jacob. Voyez-vous? C'est ça. La corruption, la mauvaise disposition spirituelle, eh bien, ça te prend. À l'époque de la prison de Joseph, dans les pays de Pharaon, en Égypte, qui était complotiste? C'était toujours les mamans. C'est elles qui étaient victimes. Qui étaient des corruptions, des mauvaises pratiques. La faute commise à l'époque, toujours les mamans. Mais heureusement, Ngoudian Longo, Mkaka Mouilou Kawanga, Marie Mouilou, Zitani, aujourd'hui Lufinama, Francine Diengienda. Devez le savoir.
Sachez-le, elle est venue nous donner les mamans à leur place. Que leur que son nom soit sanctifié, que son grand, son terme, qu'elle est sur ses honneurs dignes d'elle. Nous devons le savoir. Moudial Car, la première cloche du 6 avril, c'est elle qui l'avait sonné, la cloche d'appel. Qui sont donc elle est Djalungana, Djengenda, Kimangawanga, la cloche à 5 coups. Voilà. Le monde entier, nous devons glorifier. Alléluia à Maman Marie Mouilou. Eh oui, mes amis, nous devons glorifier cette maman. Nous devons rendre grâce à une certaine communauté qui avait sanctifié Maman la Vierge, malheureusement, dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, elle est là. Ngudialongo, Kaka Mouilou, Kiawanga. Voilà. Hein? Donc, Louzaïa, sachez-le, aujourd'hui, Maman Mouilou, Kiawanga, c'est celle qui avait sonné la cloche. Elle a donné la confession de Christ Jésus au passement qui Kimangu la nuit 5 ou 6 avril. Et c'est elle qui a renoué, qui est venue honorer les mamans. Nous devons chanter Alléluia, Alléluia. Que son nom soit sanctifié. Que son glorieux nom soit honoré. Sachons-le, Alléluia. Maintenant, nous devons le faire connaître à travers le monde entier que c'est elle, la maman victorieuse. Voilà. Voilà, mes amis, ce que je tenais à vous faire partager en ce... cette ainsi de communication du média kimbondiste, le médiaki. C'est-à-dire, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et c'est là où nous disons que merci de votre présence, merci de nous supporter. S'il y a des erreurs, des remarques, sont toujours les bienvenues parce que nous travaillons pour l'amélioration. C'était le Mediaki de ce jour. Nkenge, Jupiter, Diakongo, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Quand je dis j'ai qui, c'est sa divinité, vous connaissez, hein? Trois fois disponible sur Terre. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima Diangenda. Et Kimbangu, troisième. Nous avons développé une solution qui s'appelle Evoshi, qui permet à la structure de s'adapter à toutes les morphologies de Kimbangu, Kuntima. Voilà, désolé mes amis, je dis tantôt que c'est au nom du père. Qui? Papa Kisolokene, papa Dialungana, papa Kuntima. Kisolokene Dialungana, Diangenda Kuntima, mais elle est trois en un. C'est-à-dire, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Merci et à très bientôt. Au revoir. C'était mon nom.